Malgré ce temps de pandémie, nous ne pouvons pas laisser passer cette journée sous silence. Ce temps de confinement nous oblige à rester loin des autres. Mais dans nos cœurs, nous pouvons être plus près. J'aimerais par ces quelques mots apporter le sourire et fortifier les femmes qui nous soutiennent de jour en jour. Alors, sous ces quelques mots, voici notre pensée pour vous, nos mamans et futures mamans. Maman, l'un des premiers mots que l'on prononce dès nos premiers pas. Maman, un mot si souvent employé dans le but d'être rassuré, réconforté, cajolé et chouchouté. En cette journée bien spéciale pour vous, nous aimerions prendre le temps de souligner chacune d'entre vous. Nos mamans ne sont pas seulement nos mères biologiques, mais bien nos tantines, nos cousines, nos plus grandes supportrices et surtout nos mères spirituelles. Par votre dévouement, votre beauté et votre grâce, vous nous encouragez à suivre vos pas. Dans votre élégance résonne créativité, majesté et simplicité, une beauté incarnée venue de Dieu. En cette journée de réjouissance, lorsque nous vous appelons maman, nous vous considérons beaucoup plus que notre confidente, notre amie ou même notre conseillère. Vous êtes une personne indispensable à nos yeux. Pour vous célébrer, nos chers papas se joignent à nous pour vous offrir avec nos plus beaux sourires et cœurs heureux une excellente fête des mamans. Bonne fête des mères. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Là où vous êtes, je vous demande de chanter gaiement avec moi pour la gloire de Dieu. Tandis que nous célébrons aujourd'hui la fête des mères, je vous invite à chanter avec moi un chœur qui a pour titre « Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté ». Chantez gaiement avec nous. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus pour moi. Ah, on dit je découvre la joie de te chanter, Seigneur, de déposer ma vie à tes pieds. On dit, il n'y a que toi, tout le monde ensemble, comment? Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, hey, oui, t'adorer. Hey, ma raison de vie, comment? Ma raison de vie. Ma raison de vie, quelles que soient les circonstances, ce matin, chante avec moi, c'est de ta. Adorer, je veux t'adorer, oui, t'adorer. On dit ma raison de vivre, ma raison de vivre, ma raison de vivre. C'est de t'adorer, c'est de t'adorer. On va dire ensemble, quand je regarde partout est-ce que vous êtes, je vous invite à adorer le Seigneur avec nous. Quand je regarde ta sainteté, quand je regarde ta sainteté, comment quelles que soient les circonstances que tu traverses, et quand je contemple ta
beauté. On dit les choses qui m'entourent, Seigneur, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi, ne valent plus rien pour moi. On dit je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds, de déposer ma vie à tes. Comment je vais t'éviter, dit, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que, malgré les circonstances, qui est porté pour. Maintenant, ramasse tes forces avec moi, dis, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Alléluia, ma raison de vie. Je sais que les choses peuvent sembler dire maintenant, dis, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. On va dire, c'est la raison pour laquelle je vis. Si tu le crois, dis-moi, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Si tu crois, c'est la raison, c'est la raison, yeah. Et c'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia, c'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. Rien d'autre que toi, Seigneur, si. Et c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. On va célébrer la majesté de Dieu. Dis avec moi, dis majesté. Oh, 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 majesté. Comment, commence à réclamer la présence de Dieu de ta maison. À lui la majesté. Dis avec moi, dis à Jésus, à Jésus, à Jésus. Sois louange, sois louange. Suprême autorité, suprême autorité. Dieu des cieux, Dieu des cieux. Son règne vient, son règne vient. Sous tous les cieux, sous tous les cieux. On dit proclamons, proclamons ici les mots. Proclamons, proclamons. Et célébrons le nom de Jésus, le nom de Jésus. Glorifions, glorifions et proclamons Jésus Christ le roi, Jésus Christ le roi. On dit majesté, 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 à lui seul la majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ est sauveur, dans notre cœur, Christ le sauveur, régnant Seigneur. Dis d'avoir majesté, majesté, majesté. Comment dit à lui la majesté,
à lui la majesté. On dit à Jésus soit louange, à Jésus soit louange, soit louange, honneur et gloire. Oh majesté, 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 suprême autorité, suprême. Partout tu es dans ta maison, acclame-le, dis-le merci pour le Dieu qu'il est. Remercie-le, laisse qu'il règne en majesté. Même dans les situations insurmontables, notre Dieu est en contrôle. Acclame le roi des rois, n'aie pas peur de l'acclamer chez toi où tu es. Donne-lui la gloire que lui seul mérite. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton beau nom. Parce que tu es notre Dieu. Nous te disons un grand merci, Seigneur, de nous avoir permis de réunir comme enfants de Dieu en ta présence. Avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous te présentons, ô notre Père, notre adoration, parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour les bienfaits que tu nous as comblé, ô Dieu. C'est toi qui nous as bénis. Et si nous sommes encore vivants en ce temps de confinement, c'est parce que tu es un grand Dieu. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dont nous avons reçus de toi, ô Dieu. Te demandons au nom de ton Fils Jésus de bénir ce service. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir les auditeurs, de bénir chacun de nous là où nous sommes, ô Dieu. Seigneur, jette sur chacun de nous des multiples bénédictions et que tout cela soit fait pour ta plus grande gloire. Sois avec nous, bénis-nous abondamment, nous t'en prions dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus, lui qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là où vous êtes, je vous demande à entonner gaiement à la gloire de Dieu avec moi le chant qui a pour titre « Je chanterai ton grand amour », c'est 21, la voix du réveil. Je chanterai de grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour, oui, toujours, toujours, oui, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Toujours, comment dire avec nous? Toujours, je
chant ton nom, oh chant ton nom jusqu'au grand jour. Avec moi et je lirai pour vous le psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint.
qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exaucas. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Encore une fois, bon Père, nous nous courbons devant ta majesté bénie pour te louer parce que tu es un grand Dieu. Et Seigneur, nous te disons un grand merci, ô Dieu, parce que dans les temps difficiles, tu es toujours là pour nous secourir, tu es toujours là pour nous bénir, pour nous délivrer. Et ce n'est pas sans raison que le psalmiste a dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Merci Seigneur de nous avoir arrachés de tout piège de l'ennemi. Tu nous as protégés dans ces temps difficiles et nous te disons merci. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration Seigneur. Et nous voulons te remercier d'une façon spéciale pour les mamans que tu nous as données, Seigneur. Tu les as bénies, Seigneur. Et nous te disons merci pour eux. Nous te demandons de les protéger là où elles sont. Nous te demandons, ô Dieu, de jeter un regard favorable sur chacune d'elles. Continuez à les bénir. Continuez à déverser ta grâce abondante sur elles en ce jour, ô Dieu. Merci pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous, Seigneur. Que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit exalté, magnifié, dès à présent et à jamais. Amen. Nous allons continuer à adorer notre grand Dieu avec ce chant « Dans les cieux et sur la terre » qui se trouve au numéro 8, chant d'espérance, et nous continuerons avec quelques chœurs. Je vais vous inviter, si vous êtes à la maison, que maman est près de vous. J'aimerais que vous lui donniez un beau bisou pour lui dire bonne fête de maman. Si c'est près, elle est près de vous, si elle n'est pas là, si c'est vous qui me regardez, bonne fête de maman à tous nos mamans. On va louer le Seigneur, on va danser ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment dire bonne fête de maman à quelqu'un à côté de toi? Une maman, envoie un petit texto à quelqu'un, dis-lui bonne fête de mère que tu connais. On va louer le Seigneur ensemble. Alléluia, comment? Oh, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur peut faire. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit ton nom, quelque grand que soit ton nom, qu'il soit près ou qu'il soit là, de quelque nom qu'on le nomme. Jésus est plus grand, Jésus c'est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Jésus soulage, les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froid, il ranime le courage, il ranime le courage, du cœur le plus oppressé, tu me sens quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur.
que celui qui m'annule. On dit je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous mes. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Comment mettre de moi avec moi? Il m'a ôté. Nous te levons. Merci pour nos mamans, Seigneur, partout où elles se trouvent. Si elles nous écoutent en ce moment, réconforte-les, Seigneur Dieu. Ceux que nous ne pouvons pas physiquement voir, Seigneur Dieu, je te demande de les remettre, Seigneur Dieu. Nous prions pour eux. Reste avec eux au nom de Jésus. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Comme toi, ô Seigneur,
Et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur et amis internautes, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. En ce dimanche spécial de la fête des mères, je dis merci au Seigneur pour ma mère. Je bénis le nom du Seigneur pour mon épouse, Annie, la mère de nos enfants et la grand-mère de nos petits-enfants. Je loue le Seigneur pour toutes les mamans et toutes les femmes de l'Église évangélique baptiste Bethesda, de l'Église universelle et du monde entier. Joyeuse fête des mères à vous toutes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console et qu'il vous exauce. Prions le Seigneur. Nous te remercions pour notre Dieu, notre Père, et nous t'adorons pour tes œuvres magnifiques, excellentes, parfaites, que tu fais pour notre bien, pour notre bonheur, et en les profitant afin que nos cœurs te louent, t'adorent et te célèbrent. Nous nous jetons à tes saints pieds pour te rendre gloire et honneur et louange, parce que toi seul en es digne. Tu es le Dieu souverain, assis sur ton trône de gloire, et qui fait toutes choses pour notre plus grand bonheur. Même quand nous ne comprenons pas toujours sur le champ, mais avec l'expérience, nous avons compris que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ton peuple, particulièrement de ceux qui t'aiment. Nous nous courbons devant toi pour t'adorer et te louer avec ton Église, avec tes enfants, avec tous tes rachetés. Et nous te rendons grâce de ce que dans ta sagesse infinie, tu avais su prévoir la nécessité de l'être féminin et la femme pour notre Dieu, notre Père, et que tu l'as placée à côté de l'homme pour accomplir ton dessein, pour glorifier ton nom, mais aussi pour être partie intégrante de l'œuvre que tu continues à faire, de l'œuvre de la création que tu continues à faire pour notre plus grand bien. Merci pour ton salut, merci pour le pardon de nos péchés, merci pour toutes tes grâces dont tu nous fais part. Nous sommes devant toi en ce jour pour te remercier pour tes bontés et ta fidélité que tu nous témoignes dans ce temps difficile. La manière que tu te révèles pour que non seulement le monde sache que tu es Dieu, tu domines dans les cieux et sur la terre, tu règnes. Et aussi pour que nous, ton peuple, nous t'es rachetés, nous puissions nous rapprocher de toi et te servir avec humilité, mais aussi avec intégrité de cœur. Je prie que tu bénisses ton peuple, ton Église. Je prie que tu parles au cœur de cette génération et que chaque humain entende ta voix
dans un langage qu'il peut comprendre pour comprendre le message d'amour que tu veux adresser à tous les hommes. Seigneur, nous prions en ce temps difficile que tu donnes beaucoup de sagesse aux chefs des gouvernements et aussi aux chercheurs, en sorte qu'une solution soit trouvée pour notre Dieu apporter la guérison, la délivrance à tous ceux qui vivent ces moments difficiles. Nous prions aussi pour la consolation de ceux qui doivent vivre un deuil, la perte d'un être cher. Et merci pour tous ceux qui ont été frappés par ce virus et que tu as guéri. Merci pour beaucoup d'autres que tu as protégés et gardés. Merci pour tout ce que tu fais. Et dans tout cela, tu es digne de toute louange. Je te prie d'être avec ton Église, Bethesda, de bénir les ouvriers que tu as donnés, les serviteurs. Fais de nous de puissants instruments entre tes mains dans ce temps difficile pour apporter consolation et encouragement à ton peuple. Seigneur, entends le cri de nos cœurs. Bénis ton Église. Relève tes enfants. Guéris nos malades. Et étends ta main bénie pour secourir, selon ta grande bonté, dans le nom précieux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et qui règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen et Amen. Chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, tiré de l'histoire d'amour de Jacob et Rachel dans Genèse chapitre 29, les versets 1 à 30, dont je vous recommande la lecture est personnelle après le message. Ce message s'adresse à tous les enfants de Dieu, mais plus particulièrement, ce message est dédié aux jeunes femmes de tout âge. Le message s'adresse à tous les enfants de Dieu, mais plus particulièrement, il est dédié aux jeunes femmes de tout âge. Le but précis, la raison unique du voyage de Jacob, parti de Beersheba chez son père, à Padan Aram en Charan chez Laban, c'était pour y prendre une femme parmi les deux filles de son oncle, frère de sa mère, car c'était exactement cet ordre que son père lui avait donné, selon les paroles de Genèse, chapitre 28, le verset 2, qui dit « Lève-toi, lève-toi mon fils, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Comme Genèse 28, verset 5 le dit, « Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. » Et sur ce chemin d'obéissance, Dieu est apparu personnellement. Dieu est apparu personnellement à Jacob. Il lui a donné, frères et sœurs, l'héritage de toute la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dieu est apparu personnellement à Jacob sur ce chemin d'obéissance et lui a donné l'héritage de toute la promesse qu'il avait faite à Abraham et que Ésaü, le frère aîné, a raté. Ésaü, le frère aîné, a raté tout cela. Et qui plus est, Dieu avait garanti à Jacob sa présence. La présence de Dieu signifie succès, prospérité, protection, soins et sécurité, etc.
Dieu avait garanti à Jacob sa présence et pendant tout le voyage, aller-retour, comme le psaume 121 le dit bien, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ainsi, l'Éternel était avec Jacob chez Laban pour toute la durée de son séjour, qui, nous le savons aujourd'hui, était de 20 ans. 20 ans. Et Jacob, chez Laban, à toutes les étapes de sa vie, était dans le plan et sous le regard bienveillant de Dieu. Jacob, à toutes les étapes de sa vie, était dans le plan et sous le regard bienveillant de Dieu. Donc, Jacob, frappé et épris par la grande beauté de Rachel, dès qu'il l'avait vue, était de Dieu. Jacob, épris par la grande beauté de Rachel, de la première fois qu'il l'avait vue, était de Dieu. Et c'est Jacob lui-même, tellement amoureux de Rachel, qui avait offert de payer à Laban le gros prix à Laban pour épouser sa fille cadette. 7 années de travail, selon Genèse chapitre 29, le verset 18, qui dit « Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Notez que Laban avait accepté la proposition de Jacob, le marché de Jacob pour Rachel, sans enchère, sans augmenter le prix, selon Genèse chapitre 29, le verset 19. Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Reste chez moi. » Notez aussi, frères et sœurs, même si Jacob était dans le plan de Dieu, qui, comme promis, était toujours avec lui, mais Dieu ne lui avait pas empêché de payer la dot à Laban en travaillant 7 années pour Rachel. Dieu était avec lui, mais ne lui avait pas empêché de payer la dot en travaillant 7 années pour Rachel. Cependant, Dieu était avec, Dieu avait fortifié et béni Jacob dans son travail chez Laban. Et Genèse 29, le verset 20 dit, « Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et les 7 années furent à ses yeux comme quelques jours. » Les 7 années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Parce que Jacob aimait Rachel, les 7 années du service étaient à ses yeux comme quelques jours. En fait, le passage met en évidence le grand amour, l'amour profond et passionné de Jacob pour Rachel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après avoir fait ce long voyage de Beersheba à Charan pour découvrir Rachel, Jacob avait aussi servi Laban, le papa de Rachel, pendant 7 années qui furent à ses yeux comme quelques jours.
Maintenant, posons-nous l'importante question suivante. Ou les importantes questions suivantes. Est-ce que Rachel, de son côté, n'aimait pas elle aussi Jacob? Est-ce que Rachel, de son côté, n'aimait pas elle aussi Jacob? Ne brûlait-elle pas dans son cœur du désir d'épouser cet homme bon travailleur, responsable, respectueux et descendant d'Abraham, le prince de Dieu en Canaan? N'attendait-elle pas impatiemment? Est-ce que Rachel n'attendait pas impatiemment ce jour de son union avec cet homme qu'elle observait et admirait de plus en plus, ce Jacob qui faisait preuve d'engagement et de constance dans l'expression de son amour pour elle tous les jours pendant 7 années? Mais écoutez bien ceci, Rachel, passionnée, rêveuse et impatiente, collaborait avec ses parents et suivait leurs directives. Je reprends. Mais Rachel, passionnée, rêveuse et impatiente, collaborait avec ses parents et suivait leur directive. Le problème avec l'amour d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est qu'il est déformé. L'amour d'aujourd'hui est déformé et il est pratiqué dans une culture dépourvue de la crainte de Dieu. Une culture dépourvue de crainte pour Dieu. Et malheureusement, fort malheureusement, beaucoup de nos jeunes filles ne connaissent pas leur vraie valeur. Malheureusement, beaucoup de nos jeunes filles ne connaissent pas leur vraie valeur. Dans leur difficulté de collaborer avec leurs parents, elles laissent le toit familial prématurément et se retirent de leur protection, malheureusement, et souvent sans expérience, ni défense, ni protection, elles se livrent avant que leur prétendant ait le temps de payer pour elles une quelconque dot ou même le moindre tribut de respect à leurs parents. Souvent sans expérience, ni défense, ni protection, ces jeunes filles qui laissent prématurément le toit familial se livrent à leur prétendant avant que ceux-ci aient même le temps de payer une quelconque dot pour elle et le moindre tribut de respect à leurs parents. Mesdames, chères demoiselles, s'il vous plaît, écoutez-moi. Aucun partenaire ne respectera vos parents et ne vous respectera pas non plus. Aucun partenaire ne respectera vos parents et ne vous respectera pas non plus si vous-même, vous ne respectez pas vos parents. N'oubliez pas, ce commandement est le premier élément du deuxième plus grand commandement. Et c'est le premier commandement avec une promesse. Enfant, obéissez à vos parents. Enfant, obéissez à vos parents.
Et si votre partenaire vous a eu à bon marché, si votre partenaire vous a eu à bon marché parce que vous ne lui avez pas laissé le temps de faire les pas nécessaires, de payer pour vous la dot et ou le tribut de respect à vos parents, non seulement vous n'aurez jamais son respect, mais en plus, vous paierez le prix. Vous paierez le prix toute votre vie conjugale, si cette vie dure longtemps. Si même cette vie dure longtemps. Mesdames, chères demoiselles, écoutez-moi encore, écoutez-moi. Vous n'êtes pas une marchandise en spécial ou en liquidation que tout le monde achète, même ceux qui n'en ont pas besoin. Vous savez, durant la pandémie, je réalise que tout le monde, même ceux qui n'ont pas de grands moyens, paient le gros prix pour ce qu'ils ont besoin. Même ceux qui n'ont pas de grands moyens paient le gros prix pour ce qu'ils ont besoin. Mesdames, vous êtes, depuis la création, la provision de Dieu contre la solitude et la stérilité de l'homme par de la confort, gloire et pouvoir. Par-delà tout ce qui est dans cette nature, vous êtes la provision de Dieu. Vous êtes la provision de Dieu contre la solitude et la stérilité de l'homme. Donc, sans pandémie, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Jeune fille, jeune demoiselle, je comprends que vous attendez un partenaire et vous êtes prête pour fonder une famille. Je comprends tout cela. Vous attendez un partenaire et vous êtes prête pour fonder une famille. Mais je vous dis, ne paniquez pas. Ne vous vendez pas à rabais à personne. Ne vous vendez pas à rabais à personne. Vous valez beaucoup plus que les valeurs et les pressions sociales d'aujourd'hui veulent vous étiqueter. Vous valez beaucoup plus que ce que les pressions sociales modernes veulent vous étiqueter. Le livre des Proverbes dit de vous, mesdames, jeunes demoiselles, de tout âge, le livre des Proverbes dit de vous trois choses qui révèlent votre grande valeur. La première, dans Proverbes chapitre 18, le verset 22, qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et c'est vrai, vous faites le bonheur, seulement de l'homme, de votre famille et votre place dans cette société. Est-il remplaçable? La deuxième dans Proverbes chapitre 19, le verset 14, qui dit « Qui peut hériter de ses pères ?» Écoutez, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Le savez-vous?
une femme intelligente. C'est pourquoi profitez des jours qui sont devant vous pour cultiver cette intelligence afin d'être très utile, d'être en bénédiction pour ce partenaire que Dieu vous enverra. La deuxième chose, dans Proverbe 19, verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Et la troisième chose, dans Proverbe chapitre 31, le verset 10, qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. » Mesdames, jeunes demoiselles de tout âge, en ce jour de fête des mères, laissez-moi vous rappeler que vous êtes une perle précieuse et rare. Vous êtes une perle précieuse et rare. Voici, en conclusion de ce message, quelques conseils tirés de ce passage de Genèse, chapitre 29, les versets 1 à 30, que je vous recommande de lire. Et ces conseils pour toutes nos jeunes filles. Voici quelques conseils. Comme Dieu avait fait avec Jacob, il peut t'amener de très loin ton partenaire. Ton partenaire qu'il t'a choisi, comme il peut aussi le choisir de très près. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le partenaire que Dieu t'a choisi t'aimera. Le partenaire que Dieu t'a choisi t'aimera passionnément et acceptera de payer le prix pour t'épouser pour la vie. Le partenaire que Dieu t'a choisi t'aimera passionnément et paiera le prix pour t'épouser pour la vie. Donc, ne vous donnez pas à bon marché ou en liquidation à personne. Ne vous donnez pas à bon marché ni en liquidation à personne. Mais plutôt, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. S'il vous plaît, croyez en Dieu. En attendant que ce prince charmant arrive de loin ou de près, comme Rachel, jeune demoiselle, comme Rachel. Même quand tu as grandi, reste sur le toit familial ou tout au moins en communion avec les parents. Reste sur le toit familial, ou tout au moins en communion, en bonne communion avec les parents. Et collaborer avec eux. Collaborer avec tes parents. Leur protection est ton respect et ta sécurité. Leur protection est ton respect et ta sécurité. Car voici, lorsque justement les fameuses 7 années de service qui furent comme quelques jours pour Jacob, fortifié, excité par l'amour, mais comme 7 siècles pour Rachel, elle aussi motivée par l'amour. Lorsque ce temps était accompli, le soir des noces, Laban avait habillé et voilé
Léa. Léa, la sœur aînée, ou encore la fille aînée, à la place de Rachel. Le soir des noces, Laban a habillé et donné à Jacob Léa à la place de Rachel. Et Jacob s'en était aperçu seulement le lendemain matin, après avoir consommé le mariage. Après avoir consommé le mariage. Et la question, probablement, que beaucoup se poseraient, où est le Dieu qui est avec Jacob? Où est le Dieu qui est avec Jacob? Et pour être plus pratique, je vous demande de vous mettre dans la peau de Rachel et de penser à vos nombreuses réactions contre parents et contre Dieu. Mettez-vous dans la peau de Rachel et pensez à vos nombreuses réactions contre parents et contre Dieu. Mais savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Lorsque Laban avait donné Léa à Jacob à la place de Rachel, il avait augmenté la valeur de Rachel dans le cœur de Jacob. En donnant Léa à la place de Rachel, Laban a augmenté la valeur de Rachel dans le cœur de Jacob. C'est pourquoi, au lieu de 7 ans, Jacob avait travaillé 14 ans pour Rachel. 14 ans pour Rachel. Selon Genèse, chapitre 29, versets 25 à 30, que je lis pour vous, et je vous demande de prêter attention à cette lecture. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» J'imagine qu'il n'a pas dit « mon oncle », le texte ne le dit pas. « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Pourquoi ?» Vous pouvez imaginer la déception émotionnelle de Jacob. « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, nous ne pouvons pas vérifier cette explication pour voir si c'était fondé ou si c'était une excuse, mais Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Ce n'était plus la coutume, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, avec Léa, et nous te donnerons aussi l'autre, Rachel, pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Pendant cette nouvelle année. Et le texte, Jacob n'a pas claqué la porte et parti en laissant Léa et Rachel. Le texte dit que Jacob fit ainsi. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Écoutez, messieurs, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Pendant 7 nouvelles années. Je termine ce message en vous disant ceci. C'est la raison pour laquelle Jacob
n'avait jamais assez aimé Rachel. Il n'est pas dit ceci, n'avait jamais assez aimé Rachel. Et même après la mort de Rachel, ses deux fils, Joseph et Benjamin, parmi les 12 fils de Jacob et sa fille Dina, les deux fils de Rachel avaient une place spéciale dans le cœur de Jacob. Jeunes demoiselles, frères et sœurs, pouvons-nous faire confiance à Dieu? Jésus-Christ avait dit aux apôtres que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aujourd'hui, je vous dis, ne vous paniquez pas. Croyez en Dieu. Faites-lui confiance. Pendant les jours qui sont devant vous, et collaborez avec vos parents. Développez de bonnes relations. Leur protection et votre respect, c'est aussi votre sécurité que Dieu vous a donnée. Et certainement, Dieu vous bénira. Vous serez heureuses, demoiselles, mesdames. Que Dieu nous bénisse tous, parents, en cette célébration de fête des mères. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et élevé. Que des jeunes demoiselles de tout âge choisissent de marcher avec Dieu, de revenir à cette réalité spirituelle profonde, mais qui comble de bénédictions, de joie, de bonheur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions et nous te louons pour cette autre occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole et de nous asseoir à tes saints pieds pour découvrir les richesses cachées dans l'obéissance à ta voix, dans la confiance en toi et dans la vie et sous ton divin regard. Merci de ce que tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui nous surprend chaque jour. Et c'est ta bénédiction qui enrichit. Bénis toutes les mamans de cette génération, particulièrement ces femmes chrétiennes, ces épouses chrétiennes, ces jeunes demoiselles chrétiennes, ces femmes en devenir. Que ta bonne main soit sur elles toutes, et que ton Église en profite, que ton nom soit élevé et glorifié, que cette génération te connaisse et t'obéisse, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je voudrais aussi ajouter ceci en terminant. Si demoiselles, si jeunes gens, Dieu vous a parlé, vous avez décidé de le suivre, vous voudriez nous appeler, n'hésitez pas à le faire. Appelez-nous, nous serons heureux de vous parler, heureux de prier avec vous, et aussi heureux de vous écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais prendre le temps de souhaiter bonne fête des mères à toutes nos mamans de Bethesda. Bonne fête maman, bonne fête à tous les mamans. Yeah, on t'aime. Des mères à toutes les mamans, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, même lorsque on ne le sait pas, hein? Parce que les mamans... Moi, j'étais sûre que ma mère avait une boule de cristal. Je le pense encore. Bonne fête, mamie. Bonne fête des mères. Bonne fête, maman. Bonne fête à toutes les mamans. Merci, parce qu'on peut compter sur vous. Merci pour tout. Belle maman, je t'aime. Bye. Bonne fête des mères, maman. Je t'aime beaucoup. Moi. Bonne fête des mères à toutes nos mamans, nos mamies, nos grands-mamans. On vous aime très fort. Bonne fête des mères. Merci, bonne fête des mamans. On vous aime. Nous vous souhaitons une très joyeuse fête des mères. Que votre maison soit remplie de joie et de bonheur et que la présence de Dieu remplisse vos cœurs chaque jour.
Que la crainte de Dieu vous remplisse afin que vous soyez à l'exemple de la femme vertueuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir adoré avec l'Église évangélique Baptiste Bethesda. Voici les annonces. Nous rendons disponible notre service d'adoration tous les dimanches matins à 11h. Branchez-vous sur notre chaîne YouTube Église évangélique Baptiste Bethesda ainsi que sur la plateforme Zoom au numéro suivant 438-809-7799, code d'accès 514-722-6774, suivi du carré, ou encore sur l'adresse zoom.com, rejoindre une réunion 514-722-6774. L'éducation chrétienne aura lieu les dimanches matins de 9h45 à 10h45. Sera suivi du service d'adoration. Vous pouvez vous brancher sur Zoom au 438-809-7799, code d'accès 514-629-1453. Le vendredi soir, connectez-vous sur notre ligne de prière. Encore une fois, sur la plateforme Zoom au 438-809-7799, code d'accès 514-722-6774 ou encore sur zoom.com. Les hommes auront un temps de prière sur la ligne de téléphone tous les samedis à 18h30. Vous composez le 438-809-7799, le code 811-9571-1820, suivi du carré. Vous pouvez aussi vous connecter sur zoom.com. Les dames auront un temps de prière sur la ligne de téléphone tous les samedis à 15h et le lundi à 19h. Vous pouvez vous connecter en composant le 438-809-7799, code 892-1446-2183, suivi du carré, ou encore sur zoom.com. Au lieu de notre journée santé annuelle, nous aurons une matinée santé sur la dépression au travers de la plateforme Zoom. Ce sera le samedi 16 mai 2020 de 10h AM à midi. Nous aurons le docteur Jean-Michel Benjamin, psychiatre et psychologue, qui nous parlera de la prévention de la dépression. Et nous aurons la conseillère thérapeutique Esther Annie Joseph, qui nous parlera de comment avoir la bonne attitude pendant une crise. Nous aurons aussi un panel de questions-réponses avec le docteur Jean-Michel, Esther Annie Joseph et la docteure Ludwig Felizer. Vous vous connectez sur Zoom. Le code d'accès est le 880-1296-3615. Vous allez sur zoom.com et vous rentrez le code 880-1296-3615. Invitez vos amis et soyez-y! Tous les responsables des chorales ainsi que les groupes chantants sont attendus sur la plateforme Zoom jeudi le 7 mai à 19h30 pour une rencontre importante. Vous vous connectez sur zoom.com et vous rentrez le code 862-02-61-0444 suivi du carré ou encore vous composez le 438-809-7799, le code d'accès 862-02-61-0444, suivi du carré. Nous rappelons que tous les rassemblements physiques sont suspendus et nos activités planifiées jusqu'au mois de juin sont annulées. Nous vous encourageons à continuer à honorer Dieu dans vos finances en semant dans le ministère de votre église locale, soit par virement bancaire à dons@eglisebethesda.ca. ou par chèque à notre casier postal, Église évangélique Baptiste Bethesda, case postale 144, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A3L9. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter les diacres suivants selon votre secteur. Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Frère Abélard ou Sœur Nice. Montréal-Centre, Villeray, Saint-Michel, Ahuntsic, Verdun, Frère Rousseau ou Sœur Carole. Saint-Léonard, Anjou, La Salle, Dollard-des-Ormeaux et toute la Rive-Sud,
Frère Luxet ou Sœur Marquise. Repentigny et toute la rive nord, Frère Sorel ou Sœur Edeline. Nous vous encourageons encore une fois à faire attention à vous et à vos proches. Lavez-vous continuellement les mains et respectez les règles établies par nos gouvernements. Que Dieu vous bénisse tous et passez une très bonne semaine.